is a very selective filter material inside our collector containers, which catches the CO2 molecules. And as soon as the filter is basically full, we close it off, and then we heat it up to around 100 degrees. The CO2 is being released again, and then we draw it out of the collector containers into basically in here, what we call the process hall, basically. What's happening in here is basically that we draw the CO2 out of the collector containers, and then it's basically a preparation in order to supply the CO2 in gaseous form then to the CO2 injection site. Alors une fois que le dioxyde de carbone est capté, on va le dissoudre dans de l'eau. Et ici on est sur le site d'injection. Donc le dioxyde de carbone qui est dissous dans l'eau, il va arriver par ce tuyau-là jusqu'à entrer dans le puits où il va être injecté dans la roche volcanique à une profondeur entre 800 et 2 km de profondeur. Donc le dioxyde de carbone qu'on va injecter dans le sous-sol, on va l'injecter dans ce type de roche, qui est une roche basaltique. Comme vous pouvez voir, c'est une roche très très poreuse qui agit vraiment comme une éponge.